Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. On vient parler de Nex à nouveau des trop là. Non monsieur, c'est Stephen Miller. En fait, c'est monsieur qui architecte ça nous a relé toute politique nous a relé hardline immigration policy. Toute politique dans immigration qui draconienne, c'est monsieur qui mastermind qui derrière. Vous comprenez? So, c'est senior advisor. Bon, même lorsque monsieur pas dans Homeland Security, il pas dans USCIS. Ou gen impression parfois que c'est lui qui a dirigé, parfois c'est lui qui voye pour dire mais qui tel monde qui pour tel poste. Et information qui arrive joindre nous fait connait que monsieur gagné dans tiroir dans boîte secret. Yon pile executive order tout écrit ready prêt pour signer simplement. C'est des politiques dans immigration qui te tellement trop dur et que monsieur l'a dit comme c'est dans premier terme Donald Trump il pas qu'à prendre chance pour dire monsieur signer bagaille ça yo parce que il t'a tout détruit toute chance pour le reprendre en second terme. Donc vous comprenez l'idée hein? Donc monsieur gagne de série de politique immigration tout simplement qu'elle réservait. Non, éventualité non deuxième mandat de Donald Trump, puisque à ce moment de la durée, il connaît que Donald Trump pas besoin de mon al voter encore. Donc, il dit c'est dans le moment ça, il pral présenter président, hein, executive order ça yo, qui a un rapport avec immigration par bon ici aux États-Unis, bien que yo pas ban nous. Qui détail qui ça yo, non, en fait, mon kap ba information ça yo. C'est un ancien et chief security department Homeland Security qui c'est Miles Taylor. Monsieur Cap expliqué gen un ensemble de wish list que Miller te réservé pour second terme. Ben nous dit pour un éventuel si tu as un second terme de Donald Trump. Donc monsieur réservé executive order ça yo parce que executive order ça est tellement impopulaire que monsieur dit il pas ta un président qui besoin un second terme signé. Et mais fan du tout gain ou non proposition que nous rappeler que next il était proposé gain à peu près deux sénateurs on certain tam Cotton qui t'a proposé dans parlement même partisan Donald Trump pas ta voter. Il y a une réforme sur l'immigration. Bon, on dit réforme entre guillemets, avec ça, vous voulez. Son causé et sous base, nous sommes pas les bases à bord ici. Son système qui est basé sur point seulement. Point, ça veut dire, c'est presque bagaille familial. C'est un bagaille qui tape à l'arrière-plan. Pour mon dire, il doit y avoir madame, on l'a pour entrer, il fait n'importe 12-13 ans pour entrer madame, on va bord ici. Ok? So, monsieur, d'abord, mettre un système qui est lié spécifiquement sur point. Et là, on dit point, et il y a des séries de points pour jeunes. Il faut que vous ayez de gros niveaux d'études. Il faut que vous ayez l'argent tout. Nous sommes là où vous avez parlé de ça. Et que même au niveau de Sénat, je suis monté à peine de 39 personnes. On avait dit même dans le temps. Et même dans le temps, même dans mi-temps fanatique, yo c'est gagné à peu près une trentaine de sénateurs qui t'ai appuyé par ça. Et mais devant d'où c'est pas une surprise non. Lorsque yo fait nous comprendre que Stephen Miller gagne ensemble d'executive order ça puisque nous bien d'où ça pour comprendre Stephen Miller. La vérité c'est que monsieur gagne ensemble de maîtrise dans ensemble dans loi immigration, li connaît faiblesse yo. Et ça ou l'exploitation. Faut comprendre ça veut dire. You know by monsieur te proposé dernièrement là qui c'est public charge là. Qui ça li faut comprendre bien là fait changement. Public charge là ça qui t'est passé c'est que li t'est existé mais son faiblesse était dans loi puisque yo pas la loi, les ont écrit loi, yo pas défini de manière spécifique. T'es gain un flou dans le sens que gouvernement t'es gain loi interpréter dans sens pâle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ça, monsieur connaît côté qui est flou. Côté peut-être,
c'est ta parlement qui pour ta vin bail plus précision sou yo. Nous connais les lois écrit ou pas fin parfait et gain de côté que Congrès a quitté une sorte de flou et c'est ça le plus souvent monsieur qu'on exploité parce que pas oublier que président li pas ka faire loi li gain executive order et même executive order li pas ka illégal donc monsieur même genre avec cause public charge là li connaît va la bien donc li connaît que gon flou dans public charge là il pas défini de manière spécifique en ce sens et eh bien li paraît li vinn inclus yon ensemble de bagay nan public charge qui ka permettre que yon moun pa qualifié si j'en di la gon ensemble de aide de l'état ou a pèdé utilisé et c'est ça qui gen de particularité la kay et Stephen Miller que à la vérité Donald Trump bay tout pouvoir au niveau de Maison Blanche. Et comme Gwam Dadou, de pour qu'on cause qui n'a pas immigration, Donald Trump, d'où? Ouais, à Stephen Miller. Vous comprenez? Ouais, avec Stephen Miller. Dans le moment où parle à nous, était quoi que Stephen Miller, il est en prise, tout le monde qui a parlé, que ce soit McLean, que ce soit au niveau de DHS. Stephen Miller a le pouvoir de passer tout. Et. Donc, ça veut dire que Nexayo, il y a un travail acharné pour capable justement réduire autant que possible, ça n'est pas réellement illégal, non, légal immigration. Et on voit que, il y a un objectif que vous avez gagné dans le programme où vous avez parlé, c'est sous point valet, point qu'on fait pour capable gagner résidence là. C'était réduire la quantité de monde qui a immigré dans le pays. Et arrive à faire quand même, by the way, il faut me dire ça, hein. Il arrive à faire comment? Par yon crise qui sont problème pour nous, mais qui c'est vraiment yon aubaine pour Stephen Miller. Yon aubaine pour Donald Trump. Crise coronavirus, ça, li vini vraiment yon privilège pour monsieur dame sa yo, puisque yon tap cherché ouais, qui j'en yon te capable réduire. Ça n'a rele immigration, légal immigration dans le pays. Ya. Yon pas gen yon chemin légal pour yon fèl. Eh bien, aubaine, nan, c'est que yon dit bon, gen coronavirus, gen danger, nous pas capable moun. Et on fait sous tous les points. Y aller, on fait lundi, on fait sous tous les points. Nous connaît que y aller jusqu'à dire bon, nous pas bail personne moun résidence à l'extérieur, nous bloquer parce que yo dit que nous gen crise coronavirus, pas gen assez travail, gen chômage. Donc là on moun vini ou pral en compétition avec américain bien travail. Donc vous comprenez bien depuis coronavirus a commencé hein, pour jusqu'à fin année ou imaginez valet moun qui t'a bien entré dans pays à venir résidence monsieur prend yon justement yon référendum li bloqué ça non seulement li fait pour ça mais il fait tout sous frontière là tout donc l'on va regarder l'en chiffre ouais pour que effectivement pour année ça nèg yo réduit presque plus de la moitié de moun qui te doué entrer dans pays ya. Yo fait pour année ça maintenant reste à savoir ici là en pile moun va le crier laisse que vinn ouvrir le kounye là imagine on tout avec essayer de nous comprendre ça bon ici là c'est tout moun k'ap dit date qu'il est et ambassade là pour ouvrir ça pour arriver là l'ouvrir c'est que laisse on va l'obliger attendre pour pas gagner. Un système, bien qu'elle pas privé dans même point avec asile là, mais son système comme ça, on parle bien, pas oublier que tout autant que yon pas process la cap monte. Donc, ou ka comprendre, lorsque yon ouvre kounye là, yon pas recevoir moun, alors là, li parle pour un pile temps. Li parle pour un pile temps. Ou parle pour un peu comme ça, ou gon un business travail à monte, puis pas d'employé kap process yo. Et ça parle bien là. C'est ça parle bien là. Pas d'employé kap process yo. OK. Donc même lorsque yo vinn lift, avait dit retirer ban pour process et résidence pour moun ki trouve à l'extérieur du pays ya, là yo vinn ouvrir, li pral style très lent. Donc c'est ça pour nous comprendre. Donc Stephen Miller justement qui arrivé kembe position comme senior advisor et même lorsque yo montré clair, montré noir sur blanc
que monsieur gagne ça n'ta relé des affinités, des relations avec des white nationalistes et un bagage que nous connaissons qui est synonyme justement de discrimination, un thème très populaire. Donc monsieur Steele gagne un privilège extrême au niveau de Maison Blanche. Une politique monsieur était implémenté, bah était chargé, c'est ça relé séparation des enfants. C'est après tirer des milliers de petits moun yo prend au nom des parents yo. Et jusqu'à présent nous connaît conséquence cicatrice la arrêté dernièrement t'a tant de presque 500 anti moun sa yo yo style pokoka yo pa ka réuni yo avec parents yo on dit 500 orphelins bon il s'allié 500 démunis qui la gè sans parents et on te prend au nom des parents yo. Une situation qui vraiment est assez difficile. Bon, mes amis, bon nous quelques dans ça, yo dit Stephen Miller gen nan diakout li. Par exemple, l'autre item qui gen rapport avec tentative pour ta éliminer birth right citizenship. Tendez bien, mamba nou. Ça veut dire dans liste quelques dit que monsieur gagne la dedans. Tendez bien oui. Birthright citizenship nous connait allié le fait que ou fait dans pays a et pour tout citizen. Donc Stephen Miller ta gagne executive order sur ça. Et l'autre bagarre encore fait ça nous relé test citizenship là beaucoup plus difficile pour passer et peut-être bon plus question. So changer ça d'arrêler test pour l'homme pour le citizen là faire tout un baccalauréat. OK, mettez fin avec les TPS là, c'est pas comme si c'est comme si programme ça même fait pas exister. Programme TPS ça nous connait qui allié n'importe là qui a décidé ouvrir. Il dit depuis qu'on catastrophe non pays. Même j'en ai Haïti ou décidé ouvrir. Et bien, yon même tap mette fin avec programme ça. C'est comme quoi même l'on a une catastrophe dans le pays ou business pour. Réfugiés, nous connaissons dans le pays qui ont réduit de manière considérable. Yon a pas réduit tout jusqu'à zéro. Parce que yon programme réfugié. Depuis Donald Trump, monte il a réduit dans le programme ça. Bah moun réfugié, oui. Des pays de l'Europe, plusieurs autres pays a fait lui. Les États-Unis comme grande puissance, c'est comme quoi ils n'ont pas dans l'espace refuge. Ils n'ont même pas les possibilités pour réduire à zéro. Bah, à cause des refuges là. À la vérité, Stephen Miller a gagné sa ndarele et pouvoir pour être dans l'administration ça. Pouvoir d'après ce qu'il dit illimité que au Bali. Et à un certain moment de la durée, nous avons Stephen Miller qui t'a fait ça, nous relayons. Passer dans le passoir, si nous avons l'officiel dans le département de l'homme sécurité. Vous comprenez qui est-ce qui pourrait arrêter, qui est-ce qui pourrait arrêter. Et gagner, par exemple, le directeur de l'ESA, est-ce que tu es même fâché pour dire comment faire pour non poste? C'est Maison Blanche parfois qui va vous demander, mais tel monde qui pour prendre tel. Non, même quand tu es là dirigé, ou monde qui en balle, c'est Maison Blanche qui va vous qui pour remplacer. Stephen Miller. Et dit leadership yo constamment c'est monsieur qui pourra décider ces de bail. Vous comprenez ça veut dire. OK? Et donc ça veut dire que Miller dans moment là, jeune dou là, li gen bagay nan men. Captain et au cas où nous bien dit si qu'on t'a gagné un deuxième mi-temps de Donald Trump. OK, monsieur gagné et des attaques que le va faire là. Donc voilà guys, nous t'ai porté et update ça pour nous de Stephen Miller qui considéré comme architecte de des programmes politiques en matière d'immigration drastiques de la part de Donald Trump. Nous t'ai porté update ça pour vous. Et rebrancher, reconnecter, nous autres, n'apporter pour vous les toutes dernières informations. Portez-nous toutes bien.